footballeurs du NDC Football Angers ont lancé un petit challenge de jonglage pour garder un peu d'activité physique dans cette période de confinement. Et hier, j'ai relevé le challenge en étant celui qui faisait le plus de jongles hier avec 25 jongles. J'ai mis cette vidéo sur Twitter. Elle a été pas mal partagée, commentée. Il y a eu quelques articles dans la presse pour flatter mon niveau impressionnant de football et de jonglage. Et certains, comme West France, ont mis en doute mon niveau. Est-ce que c'était bien moi sur la vidéo? Et pour mettre tout le monde d'accord, je vais vous refaire 25 jonglages de suite. C'est parti! Et non, effectivement, je suis nul en jonglage, pas très bon en foot. J'adore jouer avec mes amis au Sous-Carreau d'Angers le lundi soir. Mais là, sur la vidéo, effectivement, c'était pas moi, mais un de mes copains de foot qui est prof et qui va se servir de cette petite séquence pour faire un cours sur les fake news à ses élèves dès la reprise des cours. Alors effectivement, il y avait au moins trois gros indices pour voir que c'était une fake news. La première, c'est le texte que je mettais. Évidemment que je ne me suis pas entraîné toute la nuit. En ce moment, les députés, on passe nos journées, nos soirées à être aux côtés des acteurs de nos circonscriptions, des citoyens, des acteurs économiques pour les aider à passer ce cap très difficile. Deuxièmement, effectivement, c'était le plus gros indice, on ne voit jamais ma tête sur la vidéo, même si c'est moi qui l'ai posté, c'était évidemment pas moi. Et troisièmement, le niveau de foot, parce que pour faire 25 ou 30 jongles d'affilée, il faut être très fort, semi-pro ou pro. C'est le cas de Nawel Adjaf qui m'a battu hier, une grande footballeuse de chez nous et qui a aujourd'hui le record à Angers avec 30 jongles. Donc à vous de jouer pour battre ce record et aussi pour lutter ensemble contre les fake news sur Internet. Tout ce qu'on voit n'est pas vrai.